Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans cette présentation du mercredi. Alors aujourd'hui, c'est un SP Life, l'histoire tout simplement d'un homme autiste qui souffre du syndrome d'Asperger et on va essayer de vivre un peu sa vie. Donc pour cela, on commence. Cher Ission 001, je suis désolé, j'ai été appelé, je ne peux pas t'en dire beaucoup, c'est très important. Ne t'inquiète pas et relaxe-toi. Je serai bientôt de retour. Depuis Ission 002, entre parenthèses, Brad. Donc là, c'est juste le générique. Il dure un petit moment. Donc je permets de vous dire que tout ce que vous verrez, tout ce que vous entendrez est prévu par le jeu. C'est vraiment ce qu'on voit et ce qu'on entend dans le jeu. Il n'y a pas de déformation de ma part ou quoi que ce soit. Et alors, à côté de ça, c'est, d'après ce que dit l'auteur, c'est vraiment ce que les autistes perçoivent, entre guillemets, en tout cas ce que l'auteur, lui, qui a le syndrome d'Asperger, perçoit. Alors, nous sommes tous différents. Il n'y a pas deux personnes qui voient le monde de la même façon. Et me voilà. Aspie Life. Alors, j'appuie sur Entrée. New Game. On va faire une nouvelle sauvegarde. Donc, j'ai commencé pour voir un peu ce que ça donnait. C'est parti. Premier jour, 18h. Alors, les contrôles. Eh bien, on appuie sur Alt, par exemple. Et on ouvre le journal. Alors, tutoriel. On va supprimer ça. Mince. Voilà, tutoriel donc. Bouger avec gauche et droite. Utiliser CTRL ou ALT pour ouvrir le journal. Alors, le journal. On y est. Alors, checklist. 1. Nourriture. On doit récupérer de la nourriture du magasin, puis retourner à la maison avant 20h. .02 pizza, ne pas prendre de pizza. 3. Être à la maison endormi avant 1h du matin. Pourquoi Brad a-t-il eu besoin de partir? Pourquoi ne m'a-t-il pas réveillé? Pourquoi? Voilà. Donc on enlève ça, voilà. Donc nous contrôlons ici, je ne sais même pas comment il s'appelle. Il est 18h07. Je dois aller chercher de la nourriture. Alors déjà ici on peut, si on veut, on s'assied et on peut faire un petit jeu vidéo. C'est parti. Donc là c'est juste esquiver les voitures qui arrivent, prendre les tremplins. C'est pas très compliqué ou chaud. Et ça permet de remplir sa jauge. Parce que je viendrai après sur un peu plus. Donc voilà, j'ai touché la voiture, j'ai perdu. Voilà, vous voyez. Alors, hop, on va quitter ça. Voilà. Donc, les contrôles, c'est gauche et droite pour l'instant. Et c'est tout. Alors, vous pouvez voir. En haut à gauche, il y a la tête de mon personnage. Et il y a deux jauges. La jauge en cyan. Enfin, violet cyan. Donc, c'est la gauche.
C'est une jauge de stress. Étant donné qu'il est autiste, même si c'est léger, le stress va monter très vite dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a des interactions avec d'autres personnes. Enfin, vous verrez. Et alors, à côté de ça, donc, en haut, au milieu, de gauche à droite, on a le journal dans lequel il va noter tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu, tout ce... voilà. Ensuite, nous avons l'argent disponible, j'ai 18$ sur moi. Et enfin, nous avons l'heure. Alors, ici, nous avons une porte, mais c'est fermé. On peut charger son portable. Là, il est à 100%, donc pas la peine. Banque NUM. Donc, c'est la carte de banque que je vais prendre. Hein. Voilà. Je vais aller voir dans le frigo. Il n'y a plus rien. Ok, donc il doit aller chercher à manger dehors. On sort. Jusque-là, tout va bien. On arrive dans l'ascenseur. L'ascenseur fait du bruit. Donc il faut appuyer sur bas pour filtrer le son. Sinon, il monte. S'il monte trop, la jauge ici, donc de stress, va diminuer. Une fois qu'elle est au bout, eh bien, c'est la panique. Donc ici, des sauvegardes. Voilà. Ah, alors, petit truc, c'est que bah, là, il y a quelqu'un qui vient de m'interpeller. Il s'appelle Mr. Hate. Et donc, il nous dit, attends un peu. Où vas-tu comme ça? Ne te souviens-tu pas de ce que je t'ai raconté? Oh, peu importe. Donc, où est-ce que tu vas? Et voilà, et donc ici, avec gauche et droite, on peut bouger. Donc, on va faire contrôle. Comment répondre, contrôle? Alors, hop. Petite seconde, voilà. Réponse qui donne du sens. Exemple, ok, oui, non. Se souvenir d'utiliser le téléphone avec tab, c'est plutôt... ça marche bien. Alors ensuite, Mr. Head, il veut toujours me demander où je vais. Assure-toi de ne jamais dire exactement ce que je fais. Il tend à être un tout petit peu intéressant. Alors ensuite, Shopping Guys, ça on verra après. Banking, Bullies, Memory, Random People. Donc déjà, on va... ce qu'on peut faire, c'est regarder à quoi il ressemble, Mr. Hate. Voilà, on ne peut pas le voir beaucoup plus. Alors, dans ces cas-là, on va dire qu'on va shop au magasin. Comme si je m'en... comme si je m'en souciais. Hé, hey, gamin, fais ce que tu veux. Juste assure-toi de revenir. J'ai déjà beaucoup, lu beaucoup trop de journaux aujourd'hui. T'as compris? Donc, de faits divers. Hein. Alors, hop. Ok. Bien. Continue. Et voilà.
Et donc là, on a gagné. Donc le stress qu'on a eu à cause de ça, comme on a bien répondu qu'il n'y a pas eu plus de stress, bah, tout va bien. Et on continue. On va arriver en rue. La rue, source de stress, de bruit. Donc pizza, on n'y va pas parce qu'on nous a dit pas aller vers la pizzeria. Alors, je dois constamment appuyer sur bas hein, pour diminuer le bruit, pour se concentrer en fait sur ne pas écouter le bruit. Et en même temps, je dois avancer avec gauche et droite. Alors, ici, c'est la banque. On n'y va pas, on n'en a pas besoin. Alors, ici. Magasin d'art. On va y aller un peu pour. Ok. C'est juste pour dire d'avoir un peu de calme. Parce que vous avez vu, hein, la jauge a déjà bien diminué. Ok. On ressort. On continue. Arcade Games, ok, c'est pas ça qu'il me faut, il me faut le magasin. Food, c'est bien. On va diminuer parce que là, ok, voilà. Alors ici, on a besoin d'un sac pour faire nos courses. Ah, je viens de me cogner à quelqu'un. Ah, désolé. Désolé, 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 désolé. Oui, désolé, désolé, désolé. Oups, désolé. Ah, ma tête. Toujours désolé, hein. Je te connais? Peut-être? Oui. Pourquoi je dis ça? Désolé, désolé. Hop, ok. Alors je vais dire non. Désolé, c'était ma faute. Je ne faisais pas attention. Ah, oublie ça. Je suis contente que tu n'aies rien. Voici ton sac. Ok, donc là, ok. Intéressant. Tu ne veux pas récupérer ton sac? C'est pas. Pas comme si c'était cool, mais j'en veux pas vraiment. Tu ne veux pas juste prendre ton sac? Ben oui, allez, hop, donc là, tech. De retour, je suis désolé, j'ai plutôt tendance à être dans le passage des gens. J'ai juste l'air d'être différente des fois. Avec quelque chose en plus. Non. Là, je ne sais pas. Bon, elle veut poser une question. Tu me sembles familier. J'arrive pas à me rappeler. Bon. De retour, je suis désolé. Est-ce que tu acceptes mes excuses? Oh, yes. Fantastique. Eh bien, je dois y aller. Voilà, très bien. Ok, elle a oublié son sac. Tiens, j'ai oublié de regarder à quoi elle ressemblait. Alors, prendre de la nourriture, qu'est-ce qu'on a? On a du lait, on avait des pommes. Allez, on va prendre du lait, oui, c'est très bien. Un petit trophée. Des pommes. Et des biscuits. Alors, 5 et 3 et 6, ça doit faire 14 ou quelque chose comme ça.
Là, je pense pas avoir assez de nourriture. Pas assez d'argent pour plus. Hey! Comment allez-vous aujourd'hui? Fine. Désolé, qu'avez-vous dit? Bah, hop. Ok. Bon, good. Bah, je vais une fois voir ce qu'ils nous disent sur shopkeepers, donc les commerçants et les employés sont plutôt bizarres. Ils disent toujours des trucs positifs, même s'ils semblent assez stressés. Donc, restez toujours positifs. J'ai eu une bonne journée. Et lorsqu'ils demandent de l'argent, dites juste OK et ça semble bon. Alors, on y va. Hop. Allez, on recommence. Alors, comment était ta journée? Hop. Good. C'est bien. Oh, ça fait 17$. S'il y a trop, vous pouvez me le donner. Donc, voilà. Je dois payer 17. J'ai 18 sur moi. Très bien. Enter. Non? Ok. Ah, voilà. Thanks. Merci. Passez une bonne journée. Ok, parfait. Alors, nouvelle, voilà. Donc ici, mise à jour, la nourriture, super. Ça, c'est beau comme des souris. Ouais, c'est pour la rime. Hein. Eh bien, pas vraiment des souris, des souris, des gâteaux de souris peut-être. Enfin, des tartes aux souris peut-être. De toute façon, nous devons tourner à la maison. Et intéressant, cette fille, je pense que je la connais de quelque part, mais où est la question? Voilà, c'est plus ou moins tout, et il n'y a rien d'autre. Ok. Allez, on ressort dans la rue. Hop. On repart à la maison. Ascenseur. Très bien. Ok, nouvelle page. Alors, mise à jour. Je suis de retour. Wow, super. Il est 18h54. J'ajoute mes 5$ d'argent de poche pour un jeu. Donc j'ai 6$. Alors des choses, elle est toujours dans ma tête. Peut-être que si je vais me balader, je vais la retrouver. Qui sait, mais... C'est certainement occupé de me rendre dingue. Eh bien, donc, comme il a dit
qu'il voulait à expédier un jeu, on va expédier un jeu. Alors, ça sert toujours une sinécure. Voilà. On est parti. Et donc, jusqu'au magasin de jeux. Vraiment difficile avec ce bruit, hein. Ok, on y est. Hop. Ouf. Il faut diminuer. Voilà. Alors, j'ai besoin d'un sac. Hello, bonjour. Vous passez une bonne journée, sachant que RAD, c'est de l'argot... Yes. Super. Très bien, ça fait 0$. Ben oui, mais bon, bah ok, mais c'est pas ce que je voulais, quoi. Super. Passez une bonne journée. Bon, c'est très bien, ça m'a fait monter ma jauge. Moi, je voulais un sac. Jeu alors, hein. Ah si, j'ai mon sac. Alors 10$, 7$, 5$, ah, 5$. Hop. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Méga mise à jour. Très bien. J'ai un jeu maintenant. Je peux aller vérifier ça à la maison. Il semble marrant. Je peux pas attendre pour le pour l'avoir, pour y jouer. Ok. Yep. Yes. Ça fait 5$. Ok. Voilà. C'est parti. Allez, on ressort et on rentre à la maison. Et on y va. On met le téléphone en charge, même si on l'a pas utilisé.
on arrive là. Premier jour terminé. Voilà, donc deuxième jour. Il va porter des choses derrière la porte que je ne pouvais pas ouvrir la dernière fois. Ok, on va une fois aller voir derrière la porte. Il fait noir. Ok. Alors, ici, on va une fois jouer au deuxième jeu. Pour remonter un peu notre jauge. Alors, voilà. RC90. On est parti. Alors, ce jeu-là, il faut donc que la balle reste de ta couleur le plus longtemps possible. Seulement, pour qu'elle soit de ta couleur, il faut la toucher. C'est le dernier qui l'a touché qui donne la couleur. Voilà. Le problème, c'est d'aller la chercher. Bien entendu, en plus, mon personnage ne peut pas s'arrêter, quoi. Et donc, il reste plus que 900. Là, le but, c'est vraiment de faire le maximum de points. Voilà, presque fini. Très bien. On sort de là et c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau? Alors, nouveau jour, nouveau identique, je sais pas comment le dire en français. Retour au boulot, je déteste travailler au M. Voilà, oh, oubliez ça. J'ai juste besoin de sortir et de me relaxer. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mon jour de travail. Non. Sur l'invention. Donc, j'ai besoin de réparer après le problème. Il faut juste être rentré pour 20 heures. Ok. Des pièces, 2 Transformer Windings, 1 Transformer Cooling Tube et 1 Pipe Rod. Enfin, je sais pas, ça a été effacé et réécrit au-dessus. Ok, j'ai besoin de ces pièces. Je dois réparer le transformateur à l'intérieur du FT. Je ferais mieux de ne pas l'écrire. Je vais juste écrire pièce avec la porte bizarre. Ok. Donc il lui faut des choses. Pour cela, il me faut de l'argent pour acheter des pièces. Donc, up tech. Donc je vais sortir. Hop. Ok. On va sauvegarder.
il est temps. Alors, je ne sais pas où aller exactement. Il y a de la pluie et de l'orage, donc ça, ça aide pas. Je peux pas aller plus loin. Alors, ouais, on va pas monter. Et donc vous voyez que en fait. Oh là, des manifestants. Je sens que je vais pas être bien. Donc je veux pas une pizza. Laisser passer. Et là je suis mal. Allez, allez, on redescend. Je vais les laisser me stresser à fond. Ok, un dialogue. Les punks, on a fait une belle prise. Alors c'est normal que ça clignote, c'est aussi pour, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour, donc c'est fait exprès, c'est pour vraiment comment signifier que c'est difficile à se faire entendre. Donc là, les mains sur les oreilles, c'était horrible. La ferme Hic. El Barjo, tu es stupide, hein? Pourquoi tu marches avec tes mains sur tes oreilles? Tu es... Oh. Tu es un attardé mental? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent pour les bullies? Alors, personne ne traverse la vie sans être haï. Si je peux partir, je pars. Si je ne peux pas, eh bien j'ai juste besoin de leur faire face et leur... Et écouter leurs insultes sans combattre, sans riposter. Traverse cette phase et finis-en au plus vite, le plus vite possible. Alors je ne peux pas partir, et eh bien hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne peux pas parler? Oh, je vois, ah, tu es bête. Alors, tu es... Il me demande toujours si je suis un interné mental, no. Oh, wow. Tu crois que tu es... T'es le meilleur, regarde-toi. T'es tout ce qui va pas dans ce monde. Les gens comme toi ne sont rien que des profiteurs. Si tu veux te suicider, tu nous ferais vraiment une grande faveur.
Qu'en penses-tu? Oh, oh, oh! Allez, gamin! Tu sais que j'ai raison! Nous avons raison! Dis ce que tu veux! Dis ce que tu veux, gamin, mais tu n'es pas normal! Regarde, tu ne peux même pas me regarder! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ok. Et donc, voilà, il faut essayer de s'en sortir. Tu penses être un dur à cuire. Réfléchis encore. Réfléchis encore. Je ne sais pas ce qui pourrait nous convaincre. Yes. Rien, tout. J'ai gagné, mon pote. La société a besoin d'être nettoyée de gens comme toi. Je suppose que tu as l'Asperger. Tu l'as eu de quoi? Une maladie? Ah, je m'en fiche. T'es qu'un... T'es brisé, t'es... T'es qu'un malade. Non. Dis ce que tu veux, je m'en fiche, tu n'es rien. Tu es juste... Ça me fait mal de parler avec toi. Adieu, insecte. Voilà, donc beaucoup de gains. J'ai essayé de rester calme. Par contre, ça n'aide pas mon... Allez. Hop, 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 hop. Maison là parce que c'est compliqué. Allez, allez, allez. Ah, il en peut plus, il en peut plus du tout. Ah oui, c'est ma vie qui descend là. Allez, hop, on rentre. Allez. Ok, on rentre chez soi, on va jouer un peu. De drive. C'est parti. Juste. Et donc voilà, vous voyez un peu comment se passe la vie. Un autiste.
Et donc les jeux vidéo, c'est justement pour pouvoir se renfermer sur lui-même, mais dans le, entre guillemets, bon sens du terme, dans le sens où il se repose pendant ce temps-là. Surtout quand c'est des choses qu'il connaît. Alors attention. C'est pas très compliqué comme jeu, hein. Voilà. Alors attention. Et là, boum. Très bien. Bon, je suis premier. C'est super, on arrête. Comme il est premier, normalement, voilà, il y a eu pas mal de temps pour se reposer. Alors, on va voir un peu. Mais pourquoi? Est-ce que c'est moi qui a le problème ou eux? Je ne sais pas. Si je n'étais pas si bête, alors... la façon dont la vie... Bon, j'arrive pas à le traduire exactement. Arrête de citer Hello. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Même chose qu'avant, la vie est de la merde, j'ai juste besoin de continuer. Alors, quelqu'un a laissé sa vie derrière dans un sac en plastique. Une creux de nuggets. Arrête de référencer, donc arrête de citer Hello. Ok. Bah, je dois continuer. Mais donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez vu plus ou moins comment ça se joue. Et franchement, rien qu'en jouant à ça, je vois la difficulté. Donc imaginez, donc quelqu'un qui a un autisme, c'est comme s'il jouait à un jeu vidéo sans tuto, sans rien du tout, mais à difficulté maximale. Et sans pouvoir sauvegarder, sans pouvoir revenir en arrière. Donc voilà. Si vous voulez jouer, c'est sur Steam, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Allez-y, n'hésitez pas à tenter d'y jouer. Vous verrez à quel point c'est pas super facile. Surtout que ici, cette partie n'était pas la même que la partie que j'ai fait précédemment, enfin le début de partie que j'ai fait précédemment. Donc il y a des événements aléatoires. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mettez des pouces en l'air aussi si vous voulez voir d'autres présentations. Surtout si vous appréciez celle-ci par exemple. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.